présenter un document qui est de cette envergure-là. On a décidé de vous présenter les sections et je pense que tout le monde a réussi à prendre un document synthèse qui est disponible. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a un document synthèse qui est à l'avant, qui résume bien les démarches et le plan d'action. Alors, sur ce, je vais quand même passer la parole tout de suite à Mme Côté comme représentante du député, M. Dardy. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui à regarder la participation. Ici aujourd'hui, l'agriculture est encore bien vivante dans notre région et tout le monde se mobilise pour faire en sorte qu'elle le demeure. J'ai pris à la dernière minute connaissance un peu du document, du magnifique document qui a été préparé, qui touche tous les secteurs d'activité de l'agriculture dans notre région. Là-dedans, tout a été mis à jour. La dernière mise à jour datait de 11 ans. Donc, c'était le temps de mettre à jour ce document, finalement, parce que ça va vite la vie de nos jours. Hein, vous le savez, 5 ans maintenant, c'est 10 ans d'il y a quelques années. Alors, il faut s'ajuster, puis il faut mettre à jour nos choses. La situation qui est là est bien détaillée. Vous avez jusqu'à la valeur des exploitations agricoles, qui m'a surpris que vous réussissiez à mettre tout ça à jour. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. J'ai hâte de le consulter au complet. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à se solidariser dans un milieu, c'est que tout le monde travaille ensemble dans le même objectif de faire progresser notre région. Le ministère d'Agriculture a collaboré pour un montant de 40 000 $ et à la réalisation de ce projet. Et le fait d'avoir embarqué là-dedans et de l'avoir fait, c'est ça qui est la réussite. Alors, bravo. Puis, la mise à jour du programme de développement de la zone agricole, c'est la vôtre. Faites-en la vôtre, puis faites-le connaître, votre plan. Je pense que les gens attendent après ça beaucoup. C'est encore un peu plus d'espoir que vous allez leur donner. Merci, Mme Côté. C'est vraiment un beau plaidoyer que vous avez fait en faveur de la MRC des Basques. J'ai presque plus rien à dire, finalement. Vous avez ramassé un peu tout ce que je voulais dire en raccourci. L'agriculture, l'agroalimentaire est à un point tournant. T'sais, il faut prendre une décision. On a perdu, je pense, le contrôle un peu de ça. La mondialisation, vous savez, la mondialisation, ce que ça a créé, c'est que une canne de bine, non pas des bines, mais des petits pois peuvent partir des Philippines pour venir se faire manger sur une table en Gaspésie. C'est quelque chose qui, en soi, est totalement illogique. Il faut, faut reprendre le contrôle de notre approvisionnement alimentaire. Vous savez, le lobby du grand capital là, qui maîtrise, il y a bien quelques acheteurs. T'sais, l'UPA est obligé de se grossir, s'enfler pour être capable de faire face à ces gens-là. Notre PDZ, on a essayé de trouver une formule qui pourrait changer un peu cette direction-là des choses. On veut s'assurer du soutien de nos entreprises installées. D'abord, c'était une des premières actions, hein, surtout le premier intérêt. S'assurer du maintien de nos installations. On a plein de belles affaires qui marchent bien. Il faut les garder. Il ne faut pas leur mettre de bois dans les roues. On a travaillé fort sur la connaissance de notre milieu, autant au niveau physique, humain, géographique, économique, potentiel des terres et de la sériculture, la transformation des produits et de la mise en marché. Alouette, ça a fait l'objet de 3 ou 4 chapitres au début du document. On a aussi discuté un peu d'activités et de cultures en émergence. Ça, on parle d'abord de l'approche biologique. Vous savez, c'est à la mode. Des vieux producteurs comme moi, là, l'approche biologique, on a un peu de misère avec ça. Nous, on est de l'école du chimique. T'sais. Puis, tu sais, c'est difficile de trouver dans notre tête, mais c'est le temps, ça veut dire que c'est le temps qu'on transfère ça à des plus jeunes. On a mis aussi en évidence nos outils spécialisés comme les incubateurs. On a fait aussi un petit regard sur l'agrotourisme, notre relève agricole, les sources de main-d'œuvre, les problèmes de main-d'œuvre, la santé psychologique des agriculteurs. Notre plan d'action s'oriente sur l'ensemble du secteur. Nous voulons que nos 27 actions soient globales en touchant plusieurs vecteurs du bioalimentaire. Le tout sera supervisé par un comité de suivi formé de plusieurs intervenants du secteur.
Nous sommes d'avis qu'il est possible, dans les 5 prochaines années, de reprendre en main, du moins en partie, notre alimentation en garantissant un approvisionnement à l'intérieur de 50 km de nos résidences. La démonstration de ça, elle va vous être faite tantôt. On vous a préparé un petit goûter. Puis Giovanni, là, je ne sais pas, là, à part du port qui a passé par Saint-Alexandre, là, tout est à l'intérieur de 30 km de Trois-Pistoles ou de la Merci des Basses. C'est d'ailleurs Giovanni qui aura la tâche de mener et de superviser l'ensemble des actions avec le comité d'accompagnement qui va être formé. Puis là, les gens qu'on va retrouver là-dessus, il va y avoir des producteurs agricoles par les gens de l'UPA. J'ai dit UPA. Gilbert, t'es-tu content? J'ai dit UPA. Les transformateurs, les distributeurs, le MAPAC, bien sûr. Les intervenants du développement économique et l'Université de Québec à Rimouski, Mario, qui nous accompagne régulièrement. Le tout n'aurait pas été possible sans la contribution financière, bien sûr, du gouvernement du Québec. Merci au gouvernement du Québec. Merci aux gens de la direction régionale qui ont poussé notre dossier. Ce document a reçu un accueil, je vous dirais, enthousiasme de la part des maires de la MRC et des intervenants de l'ensemble du secteur. Maintenant, pour reprendre ce que Gilbert disait, c'est à chacun de nous de s'approprier ce document-là puis d'essayer d'aller plus loin avec ça. Fait que dans le fond, nous autres, le ministère de l'Agriculture, les PDZA, les plans de développement des zones agricoles, pour nous, c'est un outil de développement qui est excessivement important pour nous. Ça fait déjà plusieurs années qu'on encourage les MRC de se doter de PDZA parce qu'on trouve que c'est un levier qui est super puissant vraiment pour pouvoir développer leur MRC. Entre autres au niveau du secteur bioalimentaire. Fait qu'on trouve que c'était à propos. Puis on était vraiment contents quand la MRC des Basques ont déposé, dans le fond, une demande pour mettre à jour leur PDZA pour réactualiser un petit peu leurs enjeux au niveau de leur région. Fait qu'on voulait aussi souligner le travail exceptionnel de l'équipe de la MRC. Fait que merci à toi, Claude, et à toute ton équipe. Vous avez fait un super de bon travail par rapport à tout le processus de votre PDZA. Et également, écoute, le travail final, hein, je pense que je ne suis pas la première à le dire, c'est assez exceptionnel là, de voir la qualité du travail qui a été fait, même le graphisme, c'est beau. Fait que quand un document est beau, tu as envie de le lire, tu as envie de te l'approprier, puis après ça, bien, ça suscite l'engagement également. Fait que je pense qu'il ne faut pas négliger non plus tout le côté quand on veut le livrer, parce que c'est comme un outil de marketing, hein. Parce que le travail maintenant, le défi qui va rester à faire, c'est de mettre en œuvre les actions. Fait que dans le fond, de vraiment prioriser du temps, prioriser des sous pour pouvoir mettre en œuvre des actions. Fait que dans le fond, nous, le MAPAC, on est un partenaire privilégié, je crois, là, en tout cas, entre autres dans le dossier des PDZA, puis dans tout le développement du secteur bioalimentaire. Puis dans le fond, nous, on va être là, c'est sûr qu'on va être présent pour accompagner la MRC dans la mise en œuvre de leur projet. Via soit nos conseillers sectoriels ou bien avec certains leviers. Fait que c'est sûr qu'on va être là pour les accompagner. Un document, la réalisation d'un document comme celui-là, aujourd'hui, un lancement comme celui-là, ça représente quoi pour la MRC des Basques? Bien, ça représente presque un an et demi de travail. Ça représente, je dirais, des consultations, moult consultations, la compilation de foule de données, l'observation de l'économie, l'observation dans quel sens s'en va l'ensemble du secteur. C'est tout ça mis ensemble. Et ce qui est, je pense, le plus important, c'est vraiment de se donner un portrait de ce qu'on est pour pouvoir être capable de se projeter dans l'avenir. Ce document-là nous permet, tu sais, dans ce document-là, on retrouve l'ensemble de ce raisonnement-là. OK. Et dans la conférence de presse, c'était dit que c'était un outil de travail. Un outil de travail pour faire quoi par la suite? Dans ce document-là, il y a un plan d'action. Ce plan d'action-là comporte 27 actions bien différentes les unes des autres dans l'objectif de ramener, je dirais que si on veut chercher un fil conducteur, là, de ramener le plus près possible la terre de la table, s'assurer que notre population est nourrie, bien nourrie, avec des produits qui n'ont pas besoin de faire le tour de la terre deux fois avant d'arriver sur nos tables. Et en tant qu'agriculteur toi-même, pour toi, ça représente quoi, cette réalisation-là?
Non, moi, je pense que c'est un renouveau, c'est une nouvelle façon de repenser notre agroalimentaire, de repenser notre agriculture, de repenser nos façons de faire. Je vous parlais tantôt de toute l'accréditation biologique. Bon, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis peut-être une dizaine d'années, plus intensément depuis les 5 dernières années. C'est une nouvelle façon, c'est-à-dire on ramène une ancienne façon de faire de l'agriculture à la moderne pour s'assurer de l'innocuité le plus possible de nos aliments. Merci. Plaisir.